Bonsoir Christophe Legros. Christophe, comment ça va? Bonsoir à tous, vous êtes sur la chaîne Tony RC et nous approchons de la date de Noël de plus en plus. Donc il y a un petit décor de circonstances derrière moi. Christophe, regarde. Alors attends, on va faire comme ça, tu verras mieux. Je la refais. Christophe, regarde qu'est-ce qui est arrivé. 2 heures de route aujourd'hui pour aller te chercher ce colis. Salut le jeune Mathieu. Salut Black. Salut Bruno. Salut Stéphane. Ah merde, j'ai oublié de me mettre sur le Discord aussi, au cas où. Je m'y mets, on sait jamais. Qu'il y a un poteau qui veut me rejoindre. Voilà. Hop. Du coup, s'il n'y a pas Tamina, je peux très bien faire un unboxing, mais il n'y a pas assez de monde pour faire un unboxing. Donc du coup, je vais personnaliser sa voiture avec ses quelques petites options. Alors on a reçu la fameuse pièce, on va la changer tout de suite, la pièce qui avait un défaut. Alors je vais rechanger ça. Bim, pouce bleu. Ah, il y en a qui ont le réflexe, hein, les gars. Super sympa. Alors c'est parti. Salut. Salut. J'ai du mal avec ta voix, je sais jamais qui c'est comme je n'ai pas le Discord devant moi. C'est C'est Giovanni. Giovanni. Giovanni, c'est RC Passion. Salut, Oui. comment ça va? Ça va, ça va. Hop. Salut Charles Zou. Quel est le fer à souder que tu utilises? Alors, ben, je vais te le montrer. On va rigoler. Et ben voilà. Bonsoir. 120 watts. Salut Mathieu. 120 watts. Fer Bonjour ou Tony. fer par manière ses garages. Voilà. 50 ans d'âge avec une superbe prise des années 50. Voilà, il est pas beau mon fer. C'est un collector ça. C'est quoi, c'est un semi? Un quoi? C'est un semi? Un semi. C'est quoi ce Oui, mot-là? parce qu'en fait, il y a les fers à souder semi, donc tu appuies sur un bouton et ça sort le fil. Et il y a des fers à souder où tu dois carrément mettre une tige toi-même. Ah oui. Et ça, c'est les anciens fers à souder. Ouais, bah, les Et pattes, elles sont toutes interchangeables. Là. Il y a une vis. Ouais. ah ouais, Moi, c'est un j'en ai semi. un ancien. Moi, c'est un ancien. Bon, allez, blague à part. Non, non, blague à part, c'était une blague. C'est un cadeau de Mani pour rigoler. Voici le mien. Donc, c'est un camping gaz 80 watts. Avec un switch au-dessus pour souder en 40 watts et en 80. Voilà. Voilà, donc c'était une blague, hein, celui-là. Je déconne. Donc il est là. Voici ce que j'utilise. Hop. Ouais, après toi, t'as pas vraiment besoin d'un gros fer à souder, quoi. J'ai pas entendu, j'étais parti. Comment? J'ai dit, après toi, t'as pas vraiment besoin d'un gros fer à souder. En un dixième. C'est arrivé, c'est pour ça que j'ai changé de fer, parce que j'ai dû dessouder un fil directement sur le vario et là j'ai vraiment eu du mal. Donc avec le camping gaz j'ai pu. Christophe, très sympa la présentation du VT. Non mais attends Christophe, il n'y a que 10 personnes. Hein. On va faire le VT quand il y aura du monde. Alors vous avez vu derrière moi aussi, il y a la carrosserie de Mani, hein, celle qu'on a terminée hier. Est-ce que vous l'avez tous vue? Moi, en tout Je cas, je l'ai savais vu. pas quoi prendre, j'ai un Lidl mais c'est caca. Bah, le problème du fer Lidl, c'est que d'ailleurs on a déjà une personne sur le. C'est Tamiyakit qui en a acheté un. Et le fer a pas duré. Bah il a duré une semaine son fer. Donc Le Parkside, là. ouais le Parkside. Le Parkside a fil. Sinon moi j'ai acheté le Parkside sans fil.
mais tu peux juste souder des petits fils d'un millimètre. Quand, donc même pour des variateurs, ça suffit pas. C'est l'équivalent d'un 30 watts, tu fais rien avec ça. Salut Rémi Modélisme. J'ai vu, t'avais acheté aussi une perceuse, je crois, ou une visseuse Parkside, Ouais, sans fil. d'ailleurs j'en ai besoin. Et allez où? Hop. Ça y est, on charge. Non, je vais le montrer. Non, je sais pas. Non, celui-là, il doit venir de chez Action. J'avais acheté ça. Vu que ça, c'est pas du Parkside, ça doit être la marque de chez Action. Voilà. Un fer sans fil, comme ça. Donc là, il est en train de chauffer. Donc je vais l'arrêter. Hop. Voilà. C'est très bien pour souder des petits fils, mais pour tout ce qui est fil de cerveau, des trucs comme ça, c'est nickel. Mais par contre, c'est pas avec ça que vous allez souder des prises. EC5 sur des AQ4S. Moi, je voulais m'en acheter un aussi, un fer à souder. Ben 80 watts, Sur hop, pas plus, pas moins. Amazon, tu vois. Ils vendaient le fil et tout avec les accessoires avec 20 euros. Hop. Alors, comme option pour cette voiture, on va lui monter une petite platine carbone. Voilà, et puis on a acheté un support de ventilateur bleu. Et puis de la visserie bleue. Voilà. Donc on a un support qui a un problème de conception. Donc la voiture est toute neuve, mais on a un des supports ici qui est malade d'origine. Alors a priori le problème est connu. Et ben, le problème c'est qu'ils avaient tout mis en sachet et c'était déjà parti. Donc ils prennent ces prix en garantie. Oups, c'est pas celle-là. Et sinon, t'as fait quoi aujourd'hui? Je suis allé chez Wartel ce matin. Ça me prend du temps parce que Wartel, c'est à 1 heure de chez moi. Et puis là-bas, bah, tu passes toujours du temps. Puis j'ai fait une vidéo avec lui. À propos de quoi? Des accus, des lipos. Ah, du type d'accu à apprendre et Tout tout. ça, comment choisir un accu, un lipo, et on a parlé de tout, des prises, des capacités, des milliampères, de la capacité de décharge, etc., etc. Ça, c'est pratique pour ceux qui veulent se lancer dans l'électrique. Alors, celui-là, il est caca. Hop. Et on va en sortir un tout neuf. Donc sachez, Oui. voilà. Donc du coup on a perdu un petit peu de temps avec cette voiture hein, parce que elle aurait déjà dû être revendue, repartie. Ça, c'est le Tamien. Ouais. Bah écoute Bruno, le problème c'est qu'au début les gens qui font du modélisme ils ont déjà tellement de choses à dépenser que la station de soudage souvent pour certains c'est souvent un service quand tu fais quand t'as pas des besoins quand les gars font pas de la compète, c'est plus un service qui demande au magasin de leur faire les soudures. C'est un service qui est facturé et qui vaut même pas le prix d'un fer à souder. Voilà, donc on remonte ça. Surtout quand tu commences dans le modèle ready, franchement, c'est compliqué au Non, puis une début. station de soudage, ça coûte cher, quoi. Là, le camping-gaz, je l'ai payé 23 euros. Une station de Ah, ça soudage, va. on n'est pas à ce prix-là. Chez Leroy Merlin, 23 euros. Dis-moi, est-ce que tu aurais des conseils pour enlever de la rouille? Sur quoi? Sur des pièces? Parce que tu vois, genre, j'ai le Traxxas, tu vois. Et dessus, il y a des pièces, tu vois, métalliques qui sont rouillées. Bah, après, il faut voir si tu peux te permettre de certaines pièces. Moi, quand il y a vraiment beaucoup de rouille sur des outils, je passe à la brosse de fer.
Parce que du coup, moi, je vais mettre du papier vert. Enfin, je voulais prendre Ouais, tu peux, mais des après, trucs si c'est des pièces d'éponge, comme tu ici, vois. par exemple, des cardans UDI, c'est des pièces qui sont traitées. Alors, si tu les passes avec un papier à poncer, t'enlèves le traitement qu'il y a dessus, en surface. C'est dommage. Donc, faut voir comment c'est rouillé. Il faut savoir qu'une voiture, quand elle a roulé dans l'eau, il faut la faire sécher, la souffler, la faire sécher, et puis éventuellement en surface, pulvériser un petit peu de WD-40 qui va enlever l'humidité et protéger un petit peu quelques temps de la rouille. Voilà. Parce que du coup, le traxage, genre, je l'ai eu, mais la personne, elle l'a laissé dans l'humidité pendant longtemps, longtemps, tu vois. Ouais, bah tu peux. Si, si, bah, va falloir. Paille de fer, nous dit Venom. Salut Gris-Gris, salut Venom. Très bon conseil, la paille de fer. Effectivement, ça c'est plus fin parce que le problème du papier à poncer, c'est que tu vas griffer ta pièce. La paille de fer, tu vas pas du tout la griffer. Donc, tu connais la paille de fer? Non. Bonsoir. Salut Ah, Tamia. bonsoir, monsieur Tamia. T'as vu, je touche à ta voiture. Ouais, touche pas trop. Là. Tu Ouais. as... Eh, ça, il y a du jeu derrière. C'est parce que j'ai pas serré les écrous de roue. Voilà. T'as déjà changé la pièce ou bien devant? Ouais, je viens de le faire. C'est bon, c'était, ça allait droit alors. Ah là, Bonsoir c'est tout le monde. rentré tout seul. J'ai amélioré un tout petit peu la présentation de ma chaîne sous tes conseils, monsieur Tony Hertzier. J'irai voir, j'irai voir. J'espère Moi, je suis allé voir en tout cas. que tu es fier de tes Merci, changements. c'est patient. T'as dit quoi? J'ai dit merci à toi. Ah, mais de rien, c'est normal. Ah bien, vous voyez pas ce que je fais là. Hop, comme ça. Moi, j'ai enfin réussi à mettre ma vidéo en ligne, là. Salut Rémi. Salut Stéphane, salut Christophe. Merci Christophe aussi pour les messages. Salut Christophe, merci pour l'abonnement. Je vais faire une petite pub, Tony Rose. Vas-y. Je suis à 96 En français. abonnés. En Je français. suis à 4, 96. à 4 des 100, 96. Ouais, je suis à 4 des 100. Alors, voilà. Ouais, s'il y a Un quatre goût. personnes qui sont pas encore abonnées à la chaîne de Monsieur Tamiya, il est très sympathique. Aidez-le à développer sa chaîne. Abonnez-vous à sa chaîne et donnez-lui des conseils pour que sa chaîne grandisse. Parce que moi, il m'écoute pas. Si, je t'ai écouté, j'ai Et fait. faites-lui des logos et des bannières. J'ai fait un petit logo pas très compliqué, une petite bannière, mais une petite présentation aussi. Ok. Voilà. Et hop. Et des C'est pas petits. du grand art, c'est pas du Spielberg, mais c'est un petit bout de plus. T'as mis des mots-clés? Des mots-clés, attends, j'ai encore pas. Dans les préférences générales de ta chaîne YouTube, tu peux mettre des mots-clés pour qu'on te trouve. Ouais. Tu Ah, peux aussi, sous chaque faudrait que je fasse vidéo, encore ça. tu Ça, expliques j'ai bien encore. le contenu de chaque vidéo dans chaque description de vidéo. Et ça permettra qu'elle ressorte plus facilement quand les gens tapent des recherches. Ouais, ça faut que je fasse encore, mais j'ai encore pas eu le temps de tout travailler ça. Mais j'y m'y attelle. Voilà. Alors, t'as vu le support moteur? Le support moteur. Le support de ventilateur réglable. Voilà. Ah voilà, c'est ça, ouais. Tu m'as envoyé cet après-midi, ouais. Ok, bah oui. Donc, la marque, c'est Dark Matter. Mais le ventilo, il est comment? Il est normal ou bien c'est un ventilateur parti? Ouais, ok, ouais. Écoute, j'ai pas encore Ok. ouvert. On va se permettre de l'ouvrir. Oui, De bien toute sûr. façon, si tu le veux pas, Monsieur Wartel le reprend. Non, non, mais écoute, je veux bien voir puisque je suis là. Alors, bien entendu, j'ai plus de ciseaux sous la main. Non, c'est Rémi qui était resté endormi dans le Discord. Ah, on m'a même dit de rester avec lui, du coup je suis resté avec lui 10 minutes, après je suis parti. Hein? T'as pas réussi à le réveiller? Non, je me suis dit, ok, peut-être qu'il va se réveiller, tu vois, il est en train de faire un cauchemar. Alors, il y en a un, Sébastien Fosser qui dit j'ai enfin trouvé sa chaîne aujourd'hui. Oui, merci Sébastien, j'ai vu. Merci beaucoup. Ça va lui Merci faire à tout le plaisir, hein. monde. Allez, s'il vous plaît, les gars, on va essayer de. Il était à 96, monsieur Tamia, 96 abonnés, alors que ça fait 2 ans qu'il a lancé sa chaîne. J'exagère. Alors, j'ai lancé mon pseudo exactement le 15 septembre 2020. Ça va.
Et donc il a du mal à atteindre les 100 abonnés. Allez, allez, on s'abonne à sa chaîne et il va s'améliorer, il va faire des vidéos de plus en plus belles. Ah bah écoute, hein, c'est... Qui va même venir chez toi, Tony? Je sais pas, Spielberg, hein. Alors, t'as le physique déjà. De Spielberg. Voilà. Alors, voici des Ouais. supports de. Donc, ce kit est composé d'un. Alors, Ah, la loutre, il est salut bien la parce loutre. que c'est articulé. Mais pourquoi mon moteur. Voilà. Merci les gars, merci, merci, plus que deux. C'est Moi, je comme suis le déjà casino. abonné. C'est comme le casino. Alors. En même temps que je vous parle, moi je suis en train de bosser aussi. Ça vient de chez moi, ça vient de chez moi.